s'allonger directement. Voilà, on attaque direct, je mets la musique directe, on attaque, voilà. Voilà, voilà, un peu de piano, ça fera du bien. Allez, on y va. Donc, on s'allonge. Voilà, c'est pas une serviette très grande. Voilà, hop. Alors, on ramène les genoux. Voilà. Posez bien le bas du dos, hein, c'est important. Voilà, on masse. Voilà. Comme ça. Je vais ratonner, excusez-moi. Voilà. Après, on fait une alterne. On respire. On respire. Voilà. Ensuite, les jambes à droite, la tête opposée à gauche, sans décoller les épaules. Hein. Faut respirer. Vous revenez au centre et l'autre côté. Jambe gauche à gauche et la tête à droite. Bien. On revient. Ensuite, on croise les pieds, voilà, vers les chevilles, et on fait de droite à gauche des petites torsions, mais sans force. Hein, vraiment, ça masse le bas du dos. C'est des petites torsions. Voilà, on bascule. On peut s'aider de ses mains. On peut balancer, hop, hop, ça aide. Voilà. Ça fait vraiment du bien, beaucoup de bien. Ceux qui ont des scolioses, ça fait du bien pour le bas du dos. Quand on est toujours cambré, au moins, ça masse. Si vous voulez monter un peu plus, vous pouvez monter les jambes, ça masse un peu plus haut le dos. Voilà. Voilà. Ça va. Je n'arrêterai pas de le faire tellement il est bien cet exercice, ça soulage tellement. Voilà, c'est trop bon. Hein. Après, vous posez. Alors attendez, je vais me mettre en diagonale parce que ouais. Alors là, vous étirez là. Comme un élastique, vous étirez loin, loin, loin. Et vous relâchez. On essaie de poser le bas du dos, plier un petit peu là. Et refaites, vous étirez comme un élastique, on vous tire aux extrémités, mains et pieds. Vous relâchez en pliant. Encore un peu. Ah, comme si on s'étirait dans son lit le matin. C'est bon, ça fait vraiment du bien. Bon, ensuite, je reviens de profil, hein, bougez pas, c'est pour vous montrer. Après, vous prenez, voilà, vous pliez la jambe, vous prenez la jambe droite et voilà, vous faites ça. Vous le ramenez, vous allez sur le côté, hein, parce que ça fait trop du bien ça. C'est vraiment des petits exercices simples qu'on peut faire même presque tous les jours. Hein. Voilà. On change de jambe, on la pose en haute. Pareil. Voilà. Encore, on cède avec le bras. Voilà. Encore une dernière fois. Voilà, ça fait du bien. C'est bon. Ensuite, vous posez les deux pieds et on fait le deux poupons. Le demi-pont, voilà, comme ça, on monte au maximum jusqu'à la nuque, jusqu'aux épaules, la nuque, et on respire, on aplatit, après on vertèbre par vertèbre, on pousse au sol, on sent le corps bien lourd, et là, on pose vraiment toutes les vertèbres, et on pose bien, comme si on se refonçait dans le sable à la plage. On le refait encore.
pareil en montant, on y va doucement. Vous faites à votre rythme, parce qu'on a tous le dos un peu différent. Alors. Il y en a qui sont plus ou moins cambrés. Du moment que vous ressentez tout le déroulement des vertèbres, comme si on pétrissait une pâte. Ça fait vraiment... Voilà, je pose, c'est vers la fin, c'est dur. Voilà, c'est bon. Voilà. Ensuite, on se lève, on fait un petit peu ça, droite-gauche. Voilà. Comme si on voulait attraper quelque chose, une corde de chaque côté qu'on veut tirer. Voilà, sans faire trop de force. Hein, voilà. Voilà. Ensuite, on revient. Voilà. Très bien. Après, je vais me mettre face à vous. Là, on tend la jambe droite. On garde la jambe gauche pliée et là on met le bras droit opposé comme ça et on se tourne. Voilà. Attention, reste un petit peu, respirant. Les deux mains, on les prend comme ça, on met derrière la nuque,
On est un peu en position lotus, voilà. Sans forcer sur la nuque, hein, surtout pas. Voilà, on est bien comme ça. Alors, il y en a une qu'on tend, là, celle-ci, on la plie, la gauche, l'autre on tend. On met le même bras de la jambe pliée et on va moins en haut, voilà. Comme si on voulait attraper quelque chose. Respire. Et après, pareil, de l'autre côté, on fait le contraire, on plie. Et là, on va chercher. Et on met la main vers la pointe de pied. Voilà, reviens. On plie les deux jambes. Et on remonte tout doucement. On se tient les coudes et on déroule tout doucement. Tout doucement. Tout doucement. Voilà. C'est bon. Ensuite, on fait ça, là, voilà. Là, ensuite, voilà. Voilà. Vous voyez, je vais reculer pour que vous voyez bien. Voilà. Ensuite, mouvement de bras à gauche. On étire l'autre côté. Voilà. Après dos, le dos rond. Voilà. On étire bien les bras devant. On revient. On lâche. Et voilà, un petit peu de mouvement d'épaule. En avant. La tête. Cercle. Cercle entier. Sans monter les épaules. On rentre le ventre, on bascule le bassin à gauche. Ça aussi les mains comme ça devant et comme si on voulait presser, voilà, pour la poitrine, là c'est bien, ça muscle, ça raffermit. On entend la ventouse, voilà. Et voilà, petit balancer, petit balancer, voilà, ça décontracte. Voilà, merci beaucoup. J'espère que ça a été, que ça vous a fait du bien. Ça m'a fait du bien, je me sens mieux là. Voilà, ben je vous dis bonne journée. Puis demain, je vais peut-être faire mes abdos fessiers, si ça vous dit, ventre plat et travailler les fessiers et le ventre plat. Voilà, c'est bien, on va se gainer un peu tout ça, là, toute cette partie. Ça nous fera du bien. Je vous fais un gros bisou. Je vous tire ma révérence et merci beaucoup. Et à demain. Là.